شوفة على شوفة كتفرق، وعين على عين ماشي بحال بحال، خصوصاً إذا كانت عين فنان حرفته يشوف ويقيس ويعيش في الألوان، يقرأ الحياة من لونها، يقيس جلدها، يعرف عنوانها، تاريخها، تجاعيدها وكل ما عاشته من فرح ومحن. وفي لاتوليي كيعاود الفنان يصنع ألوانه، يزوج الأمل بالحب، يدفق أحزانه وكل ما شافته عينيه في كل يوم. الولدة ما كتكمل عند الفنان حتى اللوحة كتنطق بالحال وتهز يديها وتقول صافي أنا شبعانة. إيوا أجي تشوف. Pas de plongeon dans la piscine aujourd'hui? Aujourd'hui non, je ne me sens pas. La saison change, hein. C'est plus l'été. J'ai mal un peu au dos. Donc je ne peux pas risquer. Qu'est-ce que tu veux? Des cafés avec un peu de lait. Ah mais il n'y a pas le sucre. Et mes jolies madeleines. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à l'école ou... Ben, écoute, c'est la rentrée scolaire. Tu vois, je passe maintenant à toutes les écoles. Hier, j'ai vu M. Rahoul à l'école des Beaux-Arts. Mais, figurez-vous, inconsciemment, je suis parti à l'école des Beaux-Arts. Et c'était le jour de la rentrée. Donc, chaque fois... Tu les as vus sur le... Oui, je suis toujours le modèle, l'élève modèle de l'école des Beaux-Arts. Goûtez l'huile, je viens de l'acheter. Goûte s'il est bon. Un bout de pain, s'il te plaît. Je veux bien que tu me donnes ton avis sur les photos de la homepage. Donc, on a encore changé par rapport aux photos qu'on avait choisies ensemble. Donc, on peut sûrement fixer un rendez-vous si tu as un moment. J'aime bien les voir avant. Oui, bien sûr. Ouais, déjà, on avait fait un bon choix. Donc, il y a quand même la touche artistique avec ton œil et tout. Donc, c'était bien. Ça nous a bien. Moi, j'ai essayé de mettre un peu les couleurs fond, une atmosphère générale, etc. Et tu vas continuer encore les cours avec les enfants? Oui, les enfants, maintenant, je suis volontaire. Ils ont l'atelier ouvert le samedi, le dimanche. On a commencé déjà. Oui, tu m'as dit, c'est les enfants de la Médine. Oui, et quel âge ils ont? C'est tous les enfants de Marie. C'est dans la rue où je suis, où il est situé l'atelier. L'atelier, il est ouvert samedi, dimanche. Mais c'est très bien passé. Les enfants, ils sont heureux. Maintenant, ils ont trouvé un autre espace. Ils rentrent. C'est eux, j'ai mis les couleurs à leur disposition, les couleurs, les papiers, ils travaillent, ils sont là, ils sont calmes, ils sont très éduqués. Pour les fils de Médina, vraiment, ils sont très éduqués. Tu te rappelles ça, la première fois quand on est allé voir l'atelier de papa? Oui, qu'il y avait les petits. Il y avait les petits qui nous regardaient bizarre et qui nous lançaient les vieilles chaussures même parce qu'ils trouvaient qu'on était des étrangers dans leur petit derbe. Maintenant, ça fait plaisir de voir qu'ils ont changé d'attitude. C'est devenu tes élèves, bravo. Ils sont tout le temps là-bas, ils sont super. C'est super, très important super. Pour eux. Bien. Moi, je finis mon thé. Vas-y.
Et à ce soir. Moi, je vais me changer. On se retrouve. Ciao, Bella. Allez. Wow. Bonne journée. Ciao, papa. Ciao, merci. السلام عليكم دير استاذي كيف خويا لاباس عليك هاني نشيطين الحمد لله ولله الحمد صافا صافا واش كتعاود كاين شي جديد كل شيء جديد ان شاء الله حتى حنا بحال باقيين باقي فينا العاده ديال لا غونطري سكول هنا كيبدا العام تنبداو نشموا ريحه الادوات ريحه الصباغار صافا الحمد نتوما كيف داير البارح اليوم لا غونطري دينا البارح ندخل ولكن الكونكور دار نهار 15 سبتمبر تبارك الله سنين قريتوا فيها استاذ قرينا فيها ورجعنا ليها اله الا الله هذوك الاعمال الاخرين ديال اخر سنه الله هادو لي لوريا هادو لي لوريا لي لوريا كيخليو لنا كل واحد كيخليو جوج ديال ثلاثه ديال الاعمال وكنحتفظوا بهم ك حيت كيجيو الزوار كيبغيو يعرفوا شنو كيدار في المدرسة كنعطيهم واحد ليشونتيون ديال شنو كيدار وواحد مجموعة من هاد الطلبة دابا راه صبحوا فنانة وصبحوا كيشتغلوا في كاين اللي دار المحل ديالو دابا ك مصمم ديكور هذا غادي يكون عنده غيكون عنده رون 6 كولاج بوكو دو ماتيريال ديكوكياج بيان فو توشي تو ما كيخافش كي توشي تو سي بيان هادي هنا انستالاسيون تبارك الله يلا حبيبي يلا تبارك الله نشوفكم ان شاء الله بوناني ان شاء الله بدايه موفقه ان شاء الله توفيق لنا والوليدات وي او جوناثان Tu es au quatrième ou deuxième? Ah oui, oui, j'ai oublié. Alors, à tout de suite. Ah, bonjour. Bonjour, Jonathan. Ça va? Comment ça va? Bien. Merci. Julien est arrivé? Il est rentré vendredi. Parfait. Comment ça va? Ça va, ça commence l'année, je commence à travailler. Tu as parlé des choses dernièrement? Je suis en train de faire des petits formats et ça tombe. Ah, donc, les petits formats, c'est ouais, ça. Tu t'as m'as encouragé là, tu m'as parlé des petits formats. Eh oui, il faut faire des petits formats parce que, tu sais, avec les grands formats, c'est pas évident. Bah, au niveau des entreprises, là, ça passe c'est mieux les petits formats. Ah ouais? Ouais. Voilà, ça se loue mieux, ça se vend mieux, il y a plus de demandes. Ça se vend mieux, c'est plus facile. Bah, c'est plus facile cette année. Après, l'année prochaine, je pense que les grands formats, ça passera bien aussi. Ah oui? Alors du coup, il faudra que tu me dises si toi, tu préfères la location ou la vente. Normalement, la location, ça devrait être plus intéressant oui, pour toi. Comme tu veux. Hein. Moi, je vous laisse à vous, carte blanche. D'accord. Parce que la location, la location tu gagnes tous les mois. Et à la fin de l'année, c'est presque comme si tu avais vendu ta toile. Sauf que tu récupères ta ça, toile. C'est ce qui est important. Ça, voilà. Ce qui est génial chez vous, vraiment, ça m'a. Et après, du coup, ça peut faire également augmenter la cote un petit peu de la toile, puisque pendant un an, elle tourne dans un milieu entreprise avec les patrons. Et au bout d'un an, logiquement, si tu la récupères, elle a toujours pris un petit peu de valeur. C'est vrai. Et donc, non seulement tu la récupères, et en plus, tu as la possibilité de la revendre un petit peu plus cher. C'est vrai. Voilà. Donc là, du coup, une fois que la toile est mise en location, puisque pour l'autre, du coup, je vais leur dire oui. Et bah dès qu'on a l'aval et qu'on a signé le contrat avec eux, alors comment ça se passe? Nous, on va leur demander un paiement 3 mois d'abord dans un premier temps, 3 mois d'avance, donc toi tu auras ta partie sur les 3 mois d'avance aussi. Staffan Mafta. Ok, merci Jonathan. Allez, bonne journée, puis je te tiens au courant là, dès qu'il y a les locations, dès qu'il y a les ventes. Parfait. Je t'envoie une petite notification et puis là, tu passeras récupérer le chèque.
Perfetto. Allez, parfait. Bonne journée à toi, Mustafa. Ok, au revoir. Arrivederci. Bonjour, je m'excuse de retard, voilà. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, on s'est enfin trouvé. Voilà. Bien, bien, d'accord. Alors, on y va? D'accord. On va continuer. On fait un petit tour. Oui, je te parlais toujours de Jamal Schlurk. Je te parlais de la petite Riel, là, quand même. Ah, je vais te montrer cette fois-ci mon mur. Ok, tu mon vas mur montrer préféré, ton mur, ouais. Près de la mosquée. Alors, on va le voir. Non, non, c'est en pierre. Et voilà le mur naturel. Puis il y a les premières couches qui sont passées, il y avait des bleus, des bleus cobalt, plusieurs couches de bleu cobalt. Regardez combien de couches il y en a. Ça, ça fait vraiment une mille feuilles. Aïe, aïe, aïe. Regarde. C'est énormément de couches. De c'est toute l'histoire des habitants de la maison qui les uns après les autres ont repeint le mur. Ah. Et c'est cette Elle a l'air abandonnée d'ailleurs, non? Ouais. Ouais. Moi, je vois la chose aussi. Et le vécu, c'est-à-dire la juxtaposition des couches de couleurs et la richesse. Plus il est riche, plus il nous porte. Il raconte le temps. C'est comme les rides sur notre peau. C'est ça. C'est une superposition des expériences qu'a vécu la maison et qu'ont vécu les habitants de la maison en même temps. Oui. Mais là, ce sont des dominantes de bleu et beige. C'est pas du tout la même chose que ton autre mur, tu vois. Mon catalogue avant c'est très gentil. Je vais aussi lui dédier un de mes meilleurs amis. Comme ça, je peux le faire ici. Oui, comme tu veux, comme tu veux. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Comme ça, tu penses toujours à moi-même en voyage. À bientôt. Ok. C'est le truc. Regarde, trop. C'est le blast. C'est le. Hein? Y'a quand même. ما تقوديش عليا قوة أستاذ أستاذ صغار نعطيكم الكولر راه هذاك. ما عنديش السباغ. ها هي السباغ غتجي. فوالا هما عندكم لي تروا كولور فرينا. هاك ها هو بانس كبير تبقى مع قرب هذاك الصغيور. خذ هذا. شوف هذا كيفاش غادي يدوز لك. يا دوز لارش. سير مشي كبير. هذا ماشي العكحل الاسود الازرق والاصفر يعطينا الخلاف ميلونجيهم غادي تشوف ميلون عندنا ثلاثه الوان برينسيبال هما الاحمر الازرق والاصفر تنخلطو جوج جوج يعطيونا ثلاثه الالوان اخرين كيتسموا لي كومبليمونتير ديتو لي بانسو ديالكم نهار السبت عندكم نهار السبت لحد الدراري ما لحد نتوما غتجيو السبت ياك كريمه وفاطمه الزهراء يلا انا غادي نبدا عمو يخدم ثاني شويه صافي مزيان كلشي مزيان خليهم انا غادي انا نطوب هذاك الشيء خليهم لي فوق الطابله ها خليهم باش ينشفوا مزيان برافو عليكم برافو عليكم يلا الله يلا برافو عليكم صافي